Bonjour, j'ai été convié à cette table pour vous parler de ma Samer Araketi. Eh oui, je suis son mari. Je suis très content de l'avoir épousée, mais malheureusement, on me l'a mis en prison. On n'est même pas parti en lune de miel. Et le pire de tout, c'est qu'elle a fait une fausse couche en prison. Et tout ça, pour rien. Parce qu'elle a été accusée de choses qu'elle n'a pas commises. Voilà, donc essayez de comprendre la situation et vous dire que il n'y a pas de raison pour que je prenne sans arrêt le train, l'avion, le sous-marin, un paquebot pour venir la voir et tenter de la rassurer dans le cauchemar qu'elle vit. Mais hélas, des gens d'une autre nature, des personnes qui ne comprennent rien à rien, se sont fait de mauvais films. Et oui, je suis maintenant condamné à supporter la situation. Je tente de l'appeler désespérément, mais en Tunisie, on peut pas appeler les prisonniers. Et oui, c'est mon grand destin. Aujourd'hui, je baille. Je suis fatigué de la situation. Et personne ne fait rien. Si, on a fait des sites internet pour l'aider, parce qu'elle me manque. C'est mon petit bébé à moi. Je l'aime tant. Oh, que c'est dur la vie. Oh, une jolie fille. Oh, mon bébé à moi qui me manque tant. Si vous pouviez faire fort pour soutenir notre cause, ça m'éviterait de courir ainsi dans les couloirs, à essayer de rattraper mon petit destin. Mon petit destin à moi, ma petite Samer Araketi. Dites-vous une chose, ce que je ne souhaite à personne, de vivre le cauchemar que l'on vit tous les deux, séparés, de cœur. Et aujourd'hui, j'en suis même arrivé à avoir mangé ma main. Eh oui, de chagrin, à me dire, mais qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? Ah, regardez, tout le monde me quitte. Bon, bye bye. Bon, c'était pour vous dire, voilà ce que je suis devenu, tout simplement parce qu'il a fallu que je l'attende. Ha 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 ha!